C'est journée lundi 23 mars là, syndicat Festred dans EDH fêté 29e anniversaire fondation là. Plusieurs délégués qui sortis dans diverses villes provinces, employés EDH yo qui étaient réunis dans local compagnie dans rue Joseph Janvier pour occasion là, renouveler engagement yo pour bailler population en plus service. Président Festred là, Charles Albert qui t'a parlé dans circonstances là, déclaré technicien EDH yo pas papier pièce l'idée privatisation compagnie. Charles Albert dans micro Amos Breville avec Gaston Joseph. C'est avec une grande satisfaction pour nous pour nous capable fêter 29e anniversaire ça jeudi là, parce que Festred la bataille longtemps. Lui prend coup nous bail coup et nous rester en vie et malgré des des acteurs politiques, des acteurs politiques, mais des dirigeants politiques qui étaient au pouvoir, qui ont fait tout ça, qui étaient capables de craser Festred, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables parce que nous étions campés fermes au poste pour nous être capables de défendre. EDH, nous avons défendu ce syndicat qui c'est la population, qui c'est tout le monde en général pour qu'il permette de regarder comment EDH a fonctionné et par le temps, pour Festred lui-même est capable de dire non, ça pas bon, mais ça pour nous. Nous pas satisfaits à ça que nous attendons parce que nous connaissons actuellement à peuplée qui genre EDH, une situation qui est difficile. Et ce n'est que dernièrement que il y a un petit remonté qui a fait pour qu'il permette que EDH est capable de prendre leur souffle. Et c'est affaire que hier, dans l'Assemblée générale que nous avons gagné, il y a des résolutions que nous prenons, surtout au niveau commercial, pour nous capables de travailler avec la direction, pour nous capables de voir ensemble comment nous sommes capables de joindre les débuts nécessaires pour nous capables de faire compagnie avancer et pour nous capables de permettre que les ouvriers soient capables de satisfaire.